Bonjour, 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 bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices de Cadence TV Radio. Bienvenue à la bulletin d'information Cadence Info qui passe du lundi au samedi sur Cadence TV Radio. Pour une première actualité dans la bulletin d'information, je dis à la, c'est que et nous connaissons Dr. Rudy Rivo lui-même, il t'a parlé, il t'a répondu une question. Wendell Theodore, côté, il t'a répondu une question sur cause dictature, sur cause mandat fini, sur cause l'opposition. Et l'autre point pour faire actualité dans le bulletin d'information là, c'est que la recherche nous a fait. Nous-mêmes, dans le cadre de TV Radio, nous prenons dire combien l'argent la Chambre des députés coûtait l'État haïtien. Nous avons tout chiffre et bien documenté et sans vous remonter que nous prenons partager avec dans le bulletin d'information. C'est deux gros points ça on va le partager avec vous là la bulletin d'information pour deuxième sortie bulletin d'information Cadence Info pour semaine sans plus tarder n'a pas entré avec et début bulletin d'information ça à côté nous gagne et docteur Woody Rivo lui-même qui t'a répondre question et Wendell Theodore parce que nous t'ai voulu partager ça avec nous parce que nous même dans Cadence TV Radio nous toujours aimer partager tout ça qui bon et nous pas quitter nous tendre comment et nous qu'a dit Rudy Rivo lui-même il t'a répondre quelques questions que Wendell Theodore a posé et plus précisément sur conjoncture comment et conjoncture politique là y est le pays d'Haïti sans plus tarder n'a quitter nous suivre et Rudy Rivo qu'a répondre question et puis après n'a retourner tout de suite après n'a retourner pour nous permettre qu'on ait combien on député du peuple coûter la République. Et vraiment, le nous démener enquête ça, le nous joindre information ça yo de source officielle ne sans voyer monter. Franchement, ken sauté. C'est une raison que fait toujours gagner tout craser briser ça au les élections, tout désordre ça pour moun vin député, pour moun vin sénateur, mais jodi a là, n'a bonne information sous député sur la Chambre des députés comme un député coûter la République d'Haïti. Et puis, au cours de cette semaine, parce que nous connaissons enquête la abouti, moi pral vini avec des informations sur combien yon sénateur coûte la République d'Haïti. Quel que soit ça, nous tendez que un député coûte la République, juste nous pral multiplier par deux pour nous connaître combien un sénateur coûte la République d'Haïti. Il y a des informations vraiment qui écœurantes. So far, un député haïtien li coûte la République d'Haïti plus comme que un député États-Unis d'Amérique coûte l'État américain. Un sénateur de la République d'Haïti coûte l'État haïtien plus comme que un sénateur dans US Congress, ça veut dire Washington coûte l'État américain. Ça veut dire, un sénateur haïtien, avec un député haïtien, a touché plus cob. Le nous parle de toucher plus cob, et pas seulement salaire, il ne va pas parler de salaire, li seulement, on a parlé de tout frais. Et après, nous prenons décortiquer, point par point. Et nous demandons à tout le monde, pendant que nous faisons exercice ça, prends plumeau, prends cahier, prends calculatrice, pour faire calcul là, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire chiffre final là. C'est nous-mêmes le commentaire que nous mettons après émission. Hein? C'est le commentaire que nous mettons. Le ça nous mettons. Combien nous jouons, combien chiffres liés. Mais m'a répété doucement. On j'ai pour nous prendre note. Après la fin et émission, hein? Le nous fait commentaire nous-mêmes. Et auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, nous mettons chiffres là pour nous. Pour nous, ça son bagay tête chargée. Sans plus tarder, nous avons traversé avec. Yuri la tortue, excusez-moi. N'a pas traversé avec Rudy Rivo, docteur Rudy Rivo, qui pral répondre quelques questions sous conjoncture. À tout à l'heure. Parce que vous connaissez qui est dictature. Là, il y a une dictature. Il n'y a pas demandé pour gagner alternance ou l'élection. Un dictateur pendant causé mandé dialogue. Dictateur pendant causé pour dire que un pape candidat encore et en 2022 après madame fini
dictateur pendant genre le discours républicain ça yo Wendell Theodore. Dictateur, on connaît leur pratique. C'est l'autocratie absolue. Nous avons besoin de quelques exemples, mais on les connaît. Leur prend Alexander Loukachenko. Alexander Loukachenko, en Biélorussie, c'est un dictateur. Parce que ça fait près de 30 ans depuis qu'il est au pouvoir. Et c'est normal que dans ce genre de situation, ça y est, la société se soulève, s'insurge. C'est normal. Mais là, caille-moi, mes amis, mon président qui travaille pour alternance, un président qui a dit respecter les règles là, un président qui a dit que nous gagnons constitution et tout le monde conscient de ça, en tout cas plus de 80% d'Haïtiens, 80% exactement, dans le dernier sondage Bidla qui dit qu'il y a nécessité pour que nous avons une nouvelle constitution qui soit mieux adaptée. Moi qui dictateur, pas n'a causé constitution, n'a causé loi, n'a causé élection, n'a causé Anchita ensemble. Et un énième appel du chef de l'État à frère et soeur, nous qui n'avons opposition pour Anchita ensemble. Mais c'est pas ça, c'est pas la posture, ni le discours d'un dictateur. Donc, on nous sérieux. Guerre l'autre bagaille. Maladie au souffre, habitué au deal. Et de quel mal souffre-t-il? C'est ce mal chronique qui nous ronge, qui nous mine, qui nous gangrène. Râler corps, bam, médecom. Coup d'État. Président, depuis mon président tout, et matin, m'a dit ça avec des amis et qui m'accompagnent, je me dis, oh, monsieur, depuis mon président, le travail, dans intérêt, pays ça, ou après régulièrement, il fait face à des manifestations. Des gens qui voient les pieds, parce que ça dérange une certaine frange. Mm. C'est ça la réalité de mon pays. Maintenant, on a élection, parce que je me songeais qu'un des pays. Tout côté que c'est des régimes boudus qui reconnaissent, mais ils ne parlent pas d'élections. Mais au final, c'est qu'on a les élections bidons. Je dis, hein, est-ce qu'on sentit que les conditions sont réunies pour que tu aies des élections transparentes, crédibles et honnêtes qui fait côté que tout le monde est capable de participer là-dedans? On sentit ça? Soyons honnêtes. Dans nos travail pour créer un climat qui soit plus propice à la tenue des élections. Non, parler de questions. Leur parler de insécurité. Insécurité. Moi, faut honnête. Mais il n'est pas que ça. On était candidat à trois reprises, mais deux fois. Mais si pas t'es gagné un climat de sécurité, moi-même, je dis, Ivo, je ne suis pas capable de faire campagne Cité Soleil. Or, j'ai été à Cité Soleil. J'ai été à Mantisson. J'ai été à Pétionville aussi, à Keskov. J'ai été à Casal. Mais entre-temps, mais les choses... ça veut dire que pendant que nous n'avons aller à Kaya, ou pas qu'à bloquer s'il n'a pas fait campagne. Il faut bon effort qu'il fait dans le niveau ça. Et c'est la raison pour laquelle, n'insister en pile sur ça, c'est un must, son nécessité absolue, M. Théodore. Faut haïtien, chita ensemble pour créer des gels, ça que le pays a besoin. Et conditions, ça, on n'a pas les lieux. Pour avancer ensemble. C'est ça. Alors même. Mais, non, mais, bon plus. De toute façon, il doit y avoir des élections. Parce que pas capable de gagner son président élu. Capable de gagner pour succéder au président Jovenel Moïse, qui a été élu. Et non pas parachuté. Il n'a pas sorti dans machin que aurait les transitions et autres absurdités. Et autre anomalie républicaine de ce genre. Non, c'est dans l'élection sortie. En aucun cas, pas qu'un bon monde qui vient après président Jovenel, pour que c'est pas dans l'élection sortie. Même t'as dit un peu l'autre monde, dit tout que de toute façon, on a dirigé nous vers la transition. Ah, écoutez, nous devons tout mettre en œuvre pour éviter ce mal à notre pays, ce désastre à notre pays. Parce que, on dit encore, on a parlé de transition fondatrice, refondatrice, que sais-je encore? Non! Transition de rupture. De rupture, que sais-je encore? Non! La transition est toujours prédatrice de la démocratie. Prédatrice de la démocratie. Mais pas toujours. Ah, toujours, mon cher. Bon, côté Pamdou, regardez ce qui fait la force de nos voisins dominicains. Parce qu'ils ont tout pris à la forme pour dire ça. Ils ont arrivé dans le cas en 1994. Il rend compte que il a fait tête au tort, il est entré dans un diagonale de suicide collectif. Il a dit non, il faut que ça cesse.
yo campé, yo dit en attendant nous plutôt et pour entrer dans le jeu de l'alternance démocratique. Et m'a dit encore, là encore c'est domaine, monsieur Medina, c'est pas en transition qui vient après. Monsieur Abinader est sorti des urnes. Alors là, quand même là, pour toute la Sainte Journée, pour mon paca, aller sous terrain, porteur d'un projet, à la rencontre de l'électorat, et vous dites, c'est une transition que vous faites, je suis jamais d'accord avec elle. Il faut payer, embrasser définitivement, d'accord, dit, modernité politique là. Nous, pas, yo, nous sommes la risée du monde. Moi, j'ai des amis en Europe, aux États-Unis, qui me disent, en Afrique aussi, qui disent, vous dites, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce machin? Chez toi, c'est toute la journée, on entend des manifestations, des gens qui demandent au président de partir alors que son mandat n'a pas encore pris fin. Mais c'est quoi ça? Vous vous faites du tort. Et là, ça, mon petit Jean Genet, pour me répondre, même fait constat, même j'ai avec eux, on bail qui me fend le cœur. Là, quand même, pas qu'à faire constat parce que politique, bon, j'en fais. Dans toutes les sociétés civilisées, dans tous les pays sérieux, alternance, élection. On a continué avec bulletin d'information, on a continué toujours quitter nous tendre docteur Woody Erivo qui t'a répondre question Wendell Théodore et n'a rappelé nous et sous fait brancher n'a suivre bulletin d'information cadence info et nous suggérer auditeur auditrice téléspectateur téléspectatrice yo et garder émission depuis commencement jusqu'à la fin parce que l'on fait émission nous toujours fait des commentaires et analyses où je pour nous permettre nous mieux comprendre tout ça qui a passé. N'a continué avec docteur Woody Erivo qui a expliqué et à la nation haïtienne, même le c'est avec Wendell Théodore qui a parlé, l'a expliqué au comportement politicien haïtien, li le pour nous changer. Parce que gen de leur parole sol, bon pour nous attendre, pour nous attendre des bons bagailles, c'est pas seulement toute la journée crasé, brisé et appel à la violence que nous avons entendu, mais fond de des mondes qui sont raisonnables, mondes qui ka permettre nous mieux comprendre et comment politique la fait et comment pour mieux faire pour pas gen des autres dans le pays, parce que le peuple a intérêt en quel monde. Que Haïtien qui vivent en Haïti, que Haïtien qui vivent à l'étranger. Les peuples n'ont qu'un intérêt, nous, le nous quitter le pays à dégringoler comme ça, les petits groupes de monde qui ont le pays en otage. On continue à entendre Dr. Woody Erivo qui a continué à parler avec Wendell Théodore et aussi à la nation haïtienne. Haïti, moi, si vous m'avez que m'apprécier et me dit président ça, c'est sa force de caractère. Le président a une force de caractère extraordinaire. Il est aussi humble pour reconnaître que, pas que égo, pas gagner orgueil dans la politique, il faut avoir suffisamment d'humilité pour demander à moun qui est en opposition, besoin de nous pour m'avancer. Même genre, demain, quand vous serez au pouvoir, vous aurez besoin de moi, qui serai dans l'opposition. Même genre, demain, quand vous serez au pouvoir, vous n'avez pas besoin de moun capable d'y pour aller, vous pouvez trouver moi pour me dire non. Donner du temps au chef de l'État pour qu'il puisse implémenter sa vision. Et si chef de l'État... Nous devons casser cette spirale. Oui, mais si chef de l'État, ça le sortit à partir de transition. Non, m'a dit non. C'est un trou n'a pas foncé. C'est une descente aux enfers. Et c'est une honte aussi pour mon pays. On allait sous question mandat. Et Mais comme ça va faire tout, heureusement. 7 février 2021, 7 février 2022... Vous nous considérez le président Jovenel Moïse comme un président de facto. Encore une fois, comme nous connaissons que parole ça parle dans le pays, hein, ça fait du 7 février 2021, hein, malgré la constitution, pas dit ça, mais où connaissons, c'est l'opinion que M. Abissé a manipulée. Mais comme étant donné Wendell Théodore, son journaliste, nous qu'a dit de carrière son gros journaliste lui obligé poser question ça qui d'intérêt général parce que gen un débat dans société à sous question ça lui obligé poser kounya n pral retenn comment docteur Woody Erivo pral répondre question est-ce que mandat président fini vrai 7 février 2021 malgré que nous gata en mars là nous gata en mars mais ennemi changement yo ennemi patrio, moun ki besoin se lan déblozay pou fè l'argent yo, moun kap touche lan men oliga corrompu pou créer la troublay, pou permettre que contrebande fait zam antre, drogue antre, pou yo kal déchèpye l'état, yo continue à pousser narrative ça, yo continue à dire ça, mais comme étant donné journaliste lui même c'est droit s'il a posé question pour demander comment administration
comment nous ouais ça nous-mêmes tant que l'administration, on veut parler de président de la République là. Entendez comment Rudy Erivo, docteur Rudy Erivo, a répondu question ça. C'est pas le bruit, non, c'est parce que moi-même, Dieu merci, bon Dieu, bonne intelligence, il permet nous, nous qu'on lit tout. La map gade, tout argusie, qui a évoqué, qui a parlé de bagaille, fin de mandat, toute contorsion, quand on a utilisé, et que Gozan, il me remet en pile, toutes ces arabesques, grotesques, que on sait de moun, à utiliser pour essayer de justifier l'injustifiable, m'rio. Pas qu'aucun bouquin de droit constitutionnel qui prévoit qu'un mandat a commencé avant la prestation de serment. Ça n'existe nulle part. Quand des universités, entre guillemets, d'accord, qui sont capables de dire politiquement motivés, ou bien que d'autres intérêts inavouables, que ab défendre ou connu de tous. Ab vin dit le contraire, je dis non, ça ne passera pas, parce que ce soit article 134.1 qui dit que mandat président c'est de 5 ans, que ce ou seul j'en ai article 134.2. Parce que. En vous, docteur Erivo, et expliquer seul j'en que l'article 134.2 que l'opposition a brandi à. Qu'on paquet moun qui la société civile a brandi, que moun qui la parti politique a brandi, hein? M'expliquez-nous déjà. Nous songez, il y a de cela presque 5-6 mois, que n'a pas expliqué nous. Et nous pral regarder, est-ce que vous dites Rivo, docteur Rudy Erivo, vous pral aller dans le même sens avec nous. Je, nous te toujours qu'on explique, à regarder tout. Et émission fait sur YouTube, yo. Et c'est une raison que fait YouTube là, li bon, parce que l'un fait émission, yo, yo là. Yo là pour moun ka attendre et nous dit nous quitter comme archive. Seul Jean, c'est seul si le Jocelyne Privé te fin fait élection. Hein? Même le devine fait élection, te fin ba résultat. Comme étant donné, pas j'aime ka faire parce que KEP a te dit élection a fini en 3 janvier 2017. Mais c'est lui même qui pouvait arranger avec conseil électoral provisoire à l'époque de Léopold Bélanger pour te faire. Yo te dit élection a fini en décembre. Si élection fini en décembre, 20 décembre, ouais, bon, même l'élection est fini 30 décembre. Si on fait président et pré-investiture 31 décembre 2016, 7 février 2021, t'as pas obligé d'aller, oui. Par contre, si nous écoutons mis avec nous là, mais comme étant donné, on retient date 7 février 2017 là, ça veut dire pas grand 15 jours. Pour président, c'est pas 7 février 2022. En attendant, quelle explication et docteur Rudy Erivo a bail sur ce sujet ça. Même dit pour moi-même et j'ai dit aussi à mes enfants, ne dis pas jamais quitter monde faire nous prendre ananas pour Suzanne. En français des vessies pour des lanternes. Pour ça, seul Jean pour mandat président Jovenel, t'es commencé en 2016, c'est s'il était installé en 2016. Ça veut dire prend investiture en 2016. Même là, il te prend le 31 décembre 2016, il t'a obligé à aller 7 février 2021. Il a perdu un an. Bon, j'ai un an. Mais comme étant donné grand mangeur, il a besoin mois de janvier 2017 là, mois de février 2017 là, puis il a fini ramasser. Ça n'a pas de ramasser tel que nous sommes. Nenel Kassi, il a ramassé dans BMPAD. J'aime mon ami Télis, qui est assistance sociale. Nous songez, et Valier Beauplan, l'aéroport, Yuri La Tortue, l'ONA, et toute équipe, comment l'autre équipe s'est encore quitté là, et ONA, et pas l'ONA, non, affaires sociales, eh bien, yo tellement aloufa, yo tellement grand mangeur, et pas oublier tout, t'es un paquet de bonnes oligarques corrompus. Qui t'a bénéficié de des séries de vieux contrats. So, yo pas de vle perdu un mois, 7 jours ça. Et puis, aurait été jusqu'à 7 février 2017. C'est le ça, président Jovenel prend investiture. Et comme docteur Erivo se dit là, pas d'un qu'un livre sous la terre, pas d'un qu'un côté sous planète là, mandat, quel que soit,
quel que soit élu, là, n'importe qui fonctionne, qui a commencé avant le pré-investiture. On continue. Le jeu de coquin qui était animé, la fameuse transition, les tenants de la fameuse transition, pas Jean Gomou, non, la cap demande à président Philippe Konya, qui était dit, monsieur Brivert, installez président, guette fait élection après 90 jours, d'un côté prend engagement pour ça. Et puis après 4 mois, comme ça, 5 mois même, et même à la fin, vous installez le président. Ça veut dire mandat commence à courir cette année-là. Mais si vous attendez le 7 février de 2017, obligatoirement, le mandat s'achève 5 ans plus tard, 2022. Aussi simple que ça. Il y a deux articles, 134.1 et 134.2. Oui, nous dit, oui, les deux se complètent. Pour le premier, en l'éclair, il va manquer d'ambiguïté. Deuxième, non, conseil démoniol. Dans notre constitution que le pays a besoin, il faut que le pays claire. Même j'entends dans la constitution, je sais bien aussi que dans cette constitution, ça c'est mon opinion personnelle, qui n'engage pas les autres, ni le pouvoir, qu'on t'a dit que seul jeu pour le monde prend pouvoir en Haïti, dans le sélectif, c'est dans l'élection pour aller. Je sais bien aussi que ça soit écrit noir sur blanc. Ça t'a pas mettre un frein à toute l'orbelle, comme si toute la sainte journée, quand tu as transformé par exemple. Bravo, bravo, bravo pour Dr. Erivo. Ça va te vivre dans la tête, non? La nouvelle constitution, pour que j'aime trop taper au métal. Seul Jean ou moun qui vient diriger le pays d'Haïti, c'est à travers les élections. Écrit dans la constitution, puis tout va être fini, vrai. Très belle. Ah, docteur Ivo, vraiment m content. Je ne pense pas à ça. Et nous sommes capables de réfléchir en pile. Seul Jean, tout mettre dans la constitution, dans la nouvelle constitution. Seul Jean pour moun arriver au timon des affaires. C'est à travers les élections. Puis, période, puis, tout bagage sont fini, Kounia. Pas rien à faire. Et même là, t'as un vice-président pour laisser chavirer président pour prendre place, li, ou bien, et non. Seul Jean, c'est seul l'élection. Et comme ça, oui. Et si t'as un bagage qui t'arrive président pendant le sous-pouvoir, automatiquement, ça arrive. C'est élection pour faire rapidement. Pas de question de président provisoire. Ou fait 3, 4. Automatiquement, ça arrive, mettez élection, fait élection. Mais seul Jean pour moi, vient arriver comme président, et on n'a même besoin de nommer vice-président comme président. Il a toujours été comme vice-président. Et puis il a organisé l'élection. Et puis il a fait ça, oui. Mais nous, en plus de ça, Dr. Rivodia nous ajoute nous-mêmes. Seul Jean qui arrive au pouvoir comme président, c'est à travers les élections. Si pendant président sous pouvoir, soit il a mouru, nous connaissons. Nul, pas de monde qui fait pour vivre éternellement. Il a un malaise, il a mouru. Président a mouru ou bien il a une capacité. Ou avec qui ça lié? Vice-président, toujours été vice-président, pas venu président. En plus, il a organisé l'élection. Conseil électoral a organisé l'élection. That's it. Ça veut dire vice-président qui a kembe renne, en attendant que l'élection qui fait, en plus, le monde qui a élu président, vient diriger. Avec ça, pas jamais tout désordre de transition, transition, transition. On continue de Dr. Woody Rivo, parce que vraiment, interview ça très intéressant. M'entendez là, maître reprise, me dit vraiment, faut m'une partager là avec nous, l'ambulte d'information. Et la route de Delmas, un boulevard des illusions, ou un boulevard de destruction. Ça veut dire que 134.1 en clair, 5 ans, 134.2 en une seule façon. Pour nous bien, lors des corticules, pour président Mandal a commencé, c'est à facilité installer Wendel cette année-là, en 2016. Mais nous avons joué le puisque la transition, c'est une période qui est douce en Haïti. Pendant qu'on y est, on ne va jamais entendre l'orbelle des manifestations dans la période de transition. Dis-moi qui l'a jamais entendu ça. On ne va jamais entendre des marches dans la période de transition. C'est comme si tout baigne. C'est un long fleuve tranquille dans le pays d'Haïti, dans la période de transition. Et au lendemain des coups d'État, ça fait méditer comme intellectuel, comme citoyen. Pourquoi ça ne fait pas jamais aucune marche, aucune manifestation, aucune lorbeille en période de transition, bien après coup d'État? C'est parce que il y a une frange qui complète au là-dedans, qui bon bouillon. Alors que, quand le président lui-même est sorti des urnes, toute la journée, mon lobby, mon manifestation, vous ne pouvez pas vous aller. Ça doit cesser. On a une question au référendum, non? Il y a un pile de secteurs qui ont de gros désaccords avec le président Jovenel Moïse du fait que le député serment sous constitution et presque de manière unilatérale, il a décidé
changer la constitution. Pas unilatéral. On ne parle pas d'un amendement de la constitution de 1987, dépassé, qui est obsolète, qui ne peut pas répondre en passant. Tout le monde estime. Il y a tellement de problèmes là-dedans qu'on joigne des intellectuels qui ont tenté jongler, des universitaires qui ont tenté jongler. Tenté, oui, parce qu'ils le font de manière maladroite. D'accord? Et parfois, on lit autour. Pour montrer que dans 134.2.1, pour essayer de dévier. C'est parce que, quelque part, ils ont clarté, ils ont certaines ambiguïtés. Mais, d'où la nécessité de doter ce pays d'une nouvelle charte, côté que tout article a clair contre le coq. Et tout de ce fameux conseil constitutionnel, qu'a gagné lui-même pour trancher, quand il y a ce genre de débat. Ensuite, mon capable me dit, mais qui l'autre façon? C'est le peuple qui est souverain. C'est si tu es amendement, ou pas t'es capable de faire référendum. Parce que c'est clairement dit dans la constitution de 1987 amendée. Mais il ne s'agit pas d'un amendement, d'un énième et nouvel amendement. Oui, mais le problème, il s'agit d'une autre constitution. Oui, mais nous t'es prêté serment sous lit, sous constitution, ça pour nous respecter, pour ne pas violer. Ah, mais écoutez, les présidents américains, ils prêtent serment sur la constitution. Mais le 13e amendement, Abraham Lincoln, vigné avec, c'est quoi? L'émancipation des Noirs. Donc, même l'ELT prêtait serment sur la Constitution, en pleine guerre de sécession, il dit que ça doit s'arrêter. Il demandait pour que Noyo gagne émancipé pour le juge de droit civil et politique. C'est pas parce qu'on prêtait serment sur la Constitution pour pas qu'on voit que il va bon et que le mérite est changé. Bon. Et c'était Dr. Woody Rivo et nous espérer et demain ou bien après-demain n'a fin continuer quitter nous tendre reste interview ça parce que nous gain en pile l'autre bagaille nous pral parler et pas oublier promesse que nous te faire c'est que nous pral dit nous combien un député coûté trésor public. Et pas oublier, c'est 119 députés. Et quel que soit calcul que nous faisons nous-mêmes, parce que nous-mêmes, nous ne pas faire calcul là. M'a ben nous chiffre là, m'a ben nous chiffre yo, m'a ben nous yo, tout doucement. M'a prend somme chaque chiffre m'fin bay, m'a prend quelques secondes pour me permettre nous écrire, pour me permettre nous utiliser calculatrice nous, pour me permettre nous noter. Et puis, la fin, l'enfin bay, tout ça yo nous-mêmes, n'a fait calcul yo, l'en commentaire que n'a mette, api n'a dit combien lié. Parce que comme nous dit nous, la Cadence TV Radio, plus précisément, la bulletin d'information Cadence Info, nous pas fait nouvelle, nous bay nouvelle. Cadence Info, vle dit information, correct information, sûre. En dérapé. La rubrique ça, jodi à la, nous pral parler de combien kob un député coûté l'État haïtien. On commence à 50e législature. Là. Nous connaissons d'habitude le Chambre des députés à entrer en fonction, c'est toujours deuxième lundi du mois de janvier. Eh bien, depuis député a entré, il fin prêté serment, ouvert oreilles nous bien, chiffre n'attendait pas. C'est pas un chiffre tant qu'on nous mal tendé, pas oreille nous gain problème, c'est pas moi qui fait erreur, c'est chiffre réel et normal. Depuis député a deuxième lundi janvier, il prend lever mail pour prêter serment. Eh bien, député ça, il gain droit à 700 000 goud frais de première installation. Écrit. M'a répété encore. Depuis le député a, deuxième lundi janvier, yo entré dans le parlement, dans la chambre des députés a, yo fin levé mayo, automatiquement, yo gen 700 000 goud. 700 000 goud. Nous pas mal attendé. Et pas 7 goud. Et pas 70 goud. Et pas 700 goud.
et pas 7000 goud et pas 70000 goud 700000 goud 700000 700000 goud ça c'est frais de première installation. On continue. Yo ba député yo kob pour une deuxième résidence. Comme pour deuxième résidence là, il équivaut bambanou exactement chiffre comme pour deuxième résidence. OK, installation 700000 goud. Non, on va aller avant, aller avant. OK. Après frais de nous pour aller en ordre. Salaire mensuel yo, salaire par mois député a. C'est 61521 goud. OK, 61521 goud. Ça c'est salaire chaque mois, c'est-à-dire comme il touché chaque mois. 61521 goud. Déplacement. Je vais allonger pour une écrire plus bien. Déplacement. Député a fait sous l'étendue du territoire national, il prend en charge parce que yo bali une subvention. Ça c'est un américain de 29000 dollars américains. Parce qu'on elle fait qu'entrer, faut le tout bagaille ça. Pas oublier 700000 goud pour frais de première installation et puis pour machine, yo bali une subvention de 29000 dollars américains, ça y va goud. 29000 dollars américains pour le cas soit mettre sous corb ou bien pas contre ça la faire juste pour le cas déplacer. Gen 15000 goud par mois pour carburant. 700000 goud là son seul fois ou bailli, 700000 goud là frais de première installation. Gen 15000 goud pour carburant, ça veut dire pour gaz. 50000 goud par année pour réparation machine. 75000 goud par année pour changer caoutchouc machine et pour mettre changer batterie. Chaque année, oui, ça veut dire batterie d'habitude minimum ou gain 2 ans garantie sous lit. Batterie durée entre 3 à 5 ans batterie, une bonne batterie la machine. Mais chaque année, vous avez 75000 goud pour caoutchouc machine avec batterie. 50000 goud pour réparer machine. Ça veut dire en tout, li vini 125000 goud juste pour ranger machine, mettre batterie, mettre caoutchouc. Gen 10000 goud chaque mois pour 4 téléphones. Répète encore, 10000 goud chaque mois pour 4 téléphones. Parlement député a gagné 100000 goud chaque année pour pour bon ça me tellement ou album saisi pour redorer image honorable là dans zone dans circonscription côté lui ça veut dire 100000 goud ça est pas année lié pas oublier député a fait 4 ans OK 4 ans. Ça veut dire tout ce que je me dis par année, c'est chaque année au bayou. Yo ba député à 100000 goud pour engager et redorer image li. Ça veut dire m'pa konnen si 100000 goud ça c'est pour mettre acheter belle cravate. M'pa konnen, mais 100000 goud là c'est pour redorer image honorable député a au sein même de circonscription. Et aussi là, j'ai ça que s'il gagne pour le ba mon petit corps bois avec ça. 100000 goud. Et pas oublier, c'est 119 députés qui gagnent et c'est chaque qui joigne chaque année. Écris pour moi toujours, prends note. Pour local. Ça veut dire yo gagne local là mais pour moun et député dans le élu du peuple pour faire OK.
pour yon faire chaque député pour le faire bureau le marché, ça c'est pas moi, papa Annie. 200 000 goud pour le faire bureau marché. Ça veut dire pour le prendre employé, pas pour payer bureau, non, juste pour faire bureau marché, pour payer mon yon de bureau. 200 000 goud par mois. Député a gagné 70 000 goud chaque mois pour faire patronal. 70 000 goud chaque mois pour faire patronal. N'a pas continué. Et me dit nous écrit pour nous, écrit pour nous. Pour protection député a, pas oublier député yo, yo supposé gagner des policiers de la, ça veut dire agents de police qu'avait yo. Mais quand même l'État haïtien pour chauffeur avec pour deux agents sécurité, oui, si on a la police a déjà touché déjà. On pas connait pour qui ça mette deux agents de sécurité a. Yo chaque a joine 25 000 gouttes par mois. Avait dit ou chauffeur avec deux sécurité, ça vient faire 75 000 gouttes par mois. Écrit pour moi, noté pour moi. Moi dit nous pas faire et addition, nous même fait et le commentaire yon a mette. Avait dit 25 000 goud chaque mois, par, et ça dit 25 000 goud pour chauffeur, 25 000 goud pour chaque agent de sécurité. Ça veut dire en tout, il vient faire 75 000 goud. Et aussi, yon gagne 4 consultants. Chaque green député gagne 4 consultants. Chaque green consultant sa yo, 48 000 700 goud chaque mois. N'a fait addition pour compte nous-mêmes. N'a fait multiplication. OK? Chaque grain député a 4 consultants. Chaque grain consultant a touché 48 700 goud chaque mois. Député a 2 conseillers. Il a 4 consultants, 2 conseillers. Chaque conseiller a touché 21 000 goud chaque mois. Fait calcul là pour nous, le commentaire, l'enfer a écrit. Parce que même pas faire, parce que nous même c'est bail nous bail nouvelle, nous bail information, nous même n'a pas calculé. On nous continue. Comme on était déjà dit nous déjà, combien comme un député après taxe touché 61 000 521 goud. Ajoutez sur tout ça. Ça veut dire l'on parlementaire a parlé li djou et 61 521 goud député a touché ya. Ça c'est mon épice là. C'est frais yo avec tout l'autre cob que yo bal yo, c'est ça qui fait fortune moun sa yo. On continue. Li gen un frais fixe. Yo paye 61 521 goud, ça c'est salaire un député, mais gon frais fixe chaque mois. En plus de tout comme ça au bal, qui c'est 29 400 goud par mois. Frais. Non seulement pour téléphone, yo bal comme téléphone à pas, comme gaz à pas, comme pour 4 consultants, 2 conseillers, un chauffeur, 2 sécurité, 700 000 goud. 700 000 goud, le fait entrer. 29 000 dollars américains, comme subvention pour l'acheter une machine. 75 000 goud chaque année pour batterie avec caoutchouc. 50 000 goud chaque année pour faire ranger machine. 15 000 goud pour gaz. 50 000 goud. Ok, on a dit 50 000 goud. 15 000 goud pour gaz. 4 téléphones même, c'est. Nous te baille pour 4 téléphones, oui. Oui, c'est 10 000 goud par mois. 15 000 goud pour gaz. 10 000 goud par mois pour. Et téléphone. Nous songez 200 000 goud pour le gérer bureau. 70 000 goud par mois pour faire patronal. Et puis, député a gagné. En plus de tout ça, il a gagné. Il a gagné. Et je t'ai expliqué déjà, chauffeur. Ça veut dire en tout 75 000 goud. Ça veut dire 25 000 goud pour chauffeur. Et 25 000 goud pour chaque sécurité. C'est deux sécurités, fait 75 000 goud. Et puis, il a gagné 4 consultants. Chaque gagne 48 700 goud par mois. Il gagne 2 conseillers, 21 000 goud par mois, par conseiller. Chiffre ça aussi, par conseiller, oui. Et 48 700 goud là, par consultant.
On continue. C'est ça fait n'a remarqué que le parlementaire yo font bagay, c'est pas facile n'a joine gen moun nan media et ou bien la société civile qui vraiment by side parlementaire faire en ken importance l'aime parler attaque ou même le parlementaire ta font crime ou après remarqué que la presse prêt pour casser feuille couvrir ça c'est parce que majorité là yo tout là la presse ça gen pile la société civile là gen clan barreau de Port-au-Prince ou bien la barreau pays hein ou bien qui c'est avocat yo tout ces consultants là parlement nous comprenons qu'on y a bon si nous commencer à comprendre ça qui a passé dans la société hein. C'est ça fait après remarqué malgré yo kembe Youri la Tortue dans zak de corruption ça et Youri la Tortue lui même li dénoncé que c'est tout parlementaire tout sénateur qui fait même gens tant qu'on on est tant qu'on Patrice Dumont monsieur pas gain droit qu'on y a vienne parler fort dans le pays parce qu'on bande corrompu on est tant qu'on Don Kato pas gain droit parler fort on bande corrompu parce que si Youri la Tortue dit c'est même gens tout zak de corruption ça yo tout participer là-dedans sans problème et yon pa jam dénoncer c'est koun yam commencer vinn comprendre parlement moun pa ka manyen les parlement en fonction moun pa ka manyen parce que yo gen pile kòb ya brasser lan men yo yo ka virer l'opinion jan ou vle an nou continue m te rive lan et salaire député a qui c'est 61521 goud et li gen un frais fixe chaque mois qui c'est 29400 goud mettez sous tête 61521 OK ça son par contre pour sobe yo fin bal cob gaz yo bal cob et téléphone yo bal 700000 goud pour premier bail pour entrer yo bal cob fait patronal m pa comprendre pour qui sobe 29400 goud frais ça encore frais fixe par mois. On continue. Sou fait partie de commission, n'importe qui commission. La chambre des députés a yo mette 5000 goud en plus sur 29400 et qui c'est frais fixe. OK? En plus de 29400, de pour n'importe qui commission la chambre des députés a ou gain 5000 goud en plus encore par mois. On continue. Dans chaque période, les périodes PAC, ça veut dire chaque année, vous décaissez 500 000 goud pour chaque député. Nous avons 119 députés. 500 000 goud pour PAC. Pour entrer l'école, vous avez 500 000 goud encore pour entrer l'école. Et les ap voyager yo gen $400 américains par jour pour payer ça c'est cob qui entre l'en main ou député du peuple l'en pays d'Haïti un pays que toujours même encore dit son pays pauvre m'a quitté nous faire calcul yo. Si nous pas bien entendé, retendez émission pour nous faire tout calcul parce que me parler vraiment doucement, me ban nous tout chiffre pour nous permettre que nous bien écrire. Mais combien cob un député coûter trésor public là chaque mois et pas oublier gagner 119 députés. Et demain, n'ap vin avec, non pas demain, m'baka di nou demain, parce que n'ap mené enquête toujours, parce que nous besoin joindre tout salaire pas sénateur. Gon 10 millions de goud, nous pas même mette l. 10 millions de goud que yo bay pour commune yo. M'pa mette l en salaire, parce que député yo pa gen 10 millions goud sa presque lan men yo c'est kon magistrat ou joine mais lan pa sénateur yo 25 millions de goud la li ale directement lan men sénateur département yo noue différence lan 10 millions de goud sa fait pa mette lan calcul lan 10 millions de goud que yo bay pour communion
d'habitude c'est depuis c'est meilleur yo conjoindre yo kon tankou député a kon vle kembe lui mais magistrat ou pas d'accord kon gen député influent ki kembe nous pas mettel parce que nous vle mettre ça qui mensuellement que yo joine yo mais le pas sénateur 25 millions de goud yo bay pour département c'est le même sénateur directement là c'est le même sénateur directement là ça veut dire tout cop que yo joine en plus de ça ou mettez 25 millions de goud là sous lit mais c'est pendant semaine là et même le pas d'agantan joine toute information n'a chercher yo pendant semaine là semaine prochaine ou bien semaine qui va venir n'a fait émission sur ça quand même. Parce que comme moi dit nous dans cadre TV radio, nous pas fait nouvelle, nous bail nouvelle. Et l'un bail une information, information doit sûr. Et c'est ça que fait nous vle. Nous que quelques autres informations n'a chercher sur sénateur, quelques autres petits cob n'a fin mettre compléter tout dossier et puis n'a partager la grand public là. Et m'espérer nous commencer comprendre parce que nous toujours dit nous quel que soit goumé qu'a fait en société là. Sur le plan politique, toujours garder aspect économique. Garder comment le un sénateur ou un député font zak contre la société, nous remarquons que la presse couvre ça. Mais raison. Parce que faut y avoir consultation. Faut y se conseiller. Nous comprenons? Et si il y a parlé, il y a pas attaqué parlement. Mais parle, il pas j'aime une position ça. Nous comprenons? Et c'est une raison que fait dit. Nous sommes pas besoin de députés ça ou la nouvelle constitution et nous pas besoin sénat. Parce qu'un sénateur haïtien pas doit toucher plus passer un sénateur qui Washington, un US sénateur. Il pas gain droit, il pas gain droit ça. Un pays tant que Haïti. M'pas un pays pauvre, m'a dit même un pays côté qui pas gain économie assiette fiscale non pas en pile et c'est ça que fait acte de corruption ça yo l'a craser pays nous même dans cadre de TV radio nous décréter la permanence même nous avons fait bulletin d'information mais gain de le pas oublier ça fait partie de information et ça que fait reler émission ça cadence info pour nous porter information sur qui permet tout comprendre pour leur faire des analyses ou même leur obtenir de l'autre monde qui a parlé leur obtenir des monde qui a essayé ou est-ce qu'il a changé l'opinion pour qu'on ait qui cause qui fait ou fait ça c'est sous notre ça n'a dit tout le monde coronavirus a toujours bel et bien existé mettez cache nez respectez distanciation sociale yo et puis lavez mes mains utilisez hand sanitizer et puis pas oublier abonner partager et puis like n'a dit tout le monde merci bye bye. Et à demain pour l'autre bulletin pareil. Bye bye tout le monde.